Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour vous proposer un nouvel épisode de Dishonored 2. Alors, vous allez rigoler. Des fois, la vie vous offre vraiment des opportunités. Des opportunités, des opportunités, vous l'appelez ça comme vous voulez. J'étais en train, alors pour information, dont je vous le dis quand même, j'étais en train de me balader. Et j'étais, en fait, j'ai dégommé, on va dire, les deux qui étaient là. Je sais pas, je me sentais pas bien, j'avais envie de les dégommer, je les ai dégommés. Mais là n'est pas la question, puisque regardez, quand je me baladais tranquillement, j'ai passé ce petit endroit et j'ai découvert ici une porte, avec notamment cette personne. Sans doute est très sympathique, semble. Et donc cette personne, eh bien, était une livreuse, etc. Et puis j'ai réussi à aller et j'ai récupéré en fait la clé du bateau de marchandises. Alors, je sais pour ceux qui se souviennent bien, cette clé était en fait, alors je vais vous rappeler cette clé. En fait, au début, quand vous arrivez donc à Karnaca, vous avez cette fameuse porte et vous ne pouvez pas aller. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, la porte est verrouillée, par contre. Donc là, je peux pas passer. Donc on va devoir faire le tour. Hein. C'est pas un problème. On va récupérer tout ça. Voilà. Les petites figues balisiennes. Voilà, c'est trop pratique. Par contre, comment on va. J'espère qu'on va devoir faire le tour parce que c'est quand même assez chiant. Ouais, c'est pas grave, pour le tour, on est des bons éléments, on est des oufs dans notre tête. On va se dépêcher. Alors, on va se dépêcher un petit peu, hein. Donc, on va retourner carrément au début, hein, pour ceux qui se poseraient la question. On va pas se prendre la tête, hein, on va littéralement se dépêcher. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, j'ai pas eu trop mal, ça va. J'ai lancé mon pouvoir, en fait, sans faire gaffe, et voilà, il y a eu des conséquences. Alors, on va juste passer comme ça. Vous inquiétez pas, hein, ça va aller vite. Soyez pas en train de faire une grève de la faim pour réclamer la suite de Dishonored. Nous allons bien évidemment avancer, hein, bien sûr, le jeu. Nous allons avancer au fur et à mesure et ainsi, eh bien, venir tranquillement vers l'endroit que nous recherchons tous. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, ça, c'est quand même assez original. C'est que des fois, les choses ne sont pas aux endroits qu'on réclame. On va voir bien sûr si les choses qu'on va proposer seront plutôt intéressantes ou non. Allez, on va avancer, on va passer par là. Ensuite, j'étais passé. Alors si je suis passé par là, donc ça j'avais cet endroit-là, je me rappelle, je me suis fait repérer 7 fois d'affilée. Alors, je pense qu'il faut passer par ici. Et repasser par là. On a du bœuf au menu ce soir. Ça me met l'eau à la bouche. Ah ouais, je suis passé par là après. D'accord. Là, je descends. Après, c'est vrai que les incidences entre les différents endroits ne sont pas vraiment prépondérantes. On n'est pas du tout, je dirais... on n'est pas très emmené, on va dire. Là, par exemple, j'ai pas... Alors, par contre, c'est vrai que si j'avais fait un truc chaotique, j'avais tué plein de gens, peut-être que ça aurait eu des conséquences différentes. Mais je trouve, enfin après ça ne reste que mon avis, hein, bien évidemment, mais je trouve que c'est quand même assez léger, voilà, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, contrairement peut-être à des endroits que ça aurait pu aller. Allez, maintenant on va se retrouver ici, donc là on a différents endroits, et donc là on a l'audiographe qui est ici. Alors juste, je veux savoir là, je sais pas pourquoi, le jeu rame un petit peu. C'est vraiment le bordel. Des plannings qui prennent pas en compte les marées, des faux bons de livraison, des mots de passe pour entrer. Ce serait plus simple si on pouvait juste récupérer la marchandise et la livrer sans embrouille. Bref, avant que j'oublie, le mot de passe pour la boutique, c'est « Je préfère le vin cerconien au joule de Tivia ». Bande de crétins. Voilà, donc là vous avez récupéré le mot de passe, et en fait le mot de passe va vous aider à traverser la fameuse porte en question, voilà. Donc rien de bien difficile, hein, bien évidemment. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, c'est une possibilité. Alors pour information, si l'audiographe vous ne l'avez pas, vous pouvez en fait le récupérer à un autre endroit. C'est une maison qui se trouve, je crois, dans cet immeuble-là. Vous allez fouiner et vous allez trouver en fait votre bonheur à ce moment. Ça aussi, on peut garder les mêmes choses. Alors vous allez voir que le duc, c'est un peu pareil. Le duc, si vous vous souvenez bien, on va dire, a une doublure. Et en fait, cette doublure, eh ben, il faut réussir donc à le trouver. Il n'est pas au même endroit à chaque fois. Donc ça, voilà, ils ont voulu faire un, voilà, ils ont voulu faire un truc un peu plus funky.
Je suis pas convaincu que ce soit une idée très intéressante, mais ça a le mérite d'être essayé. Mais je trouve d'ailleurs, en fait, quand même, après, soyons clairs sur une chose, ce Dishonored est quand même une sacrée réussite, hein. Ceux qui se posent. Ouais, bah là, si je me fais repérer, enfin, m'aurait étonné, je me suis fait repérer. Alors, pour revenir à ce que je disais, je trouve que finalement, Dishonored n'est pas un... Franchement, c'est une super réussite, hein, honnêtement. Il suffit de voir, voilà, je m'esclaffe à chaque fois, notamment sur l'épisode précédent où, voilà, ils ont utilisé, on va dire, les rouages du temps pour avancer. Honnêtement, c'est une super trouvaille. Le Kirijin Doge, c'est aussi une super trouvaille. Honnêtement, ils ont eu des très très bonnes idées. Les temps sont durs. Alors après, bien évidemment, ça peut se discuter. Il y a des gens qui diront oui, mais ils auraient dû faire comme ça. Ouais, il manque ça. C'est vrai que parfois, peut-être graphiquement, c'est assez... C'est peut-être un peu limite, mais bon. Voilà. Il faut peut-être à un moment donné, eh bien, aussi reconnaître quand le boulot est fait. Il y a des éditeurs et des développeurs qui, limite, utilisent une licence et se disent... ils se disent, ouais, non, bah voilà, on fait juste des petits trucs comme ci, comme ça, et on se contente simplement du minimum. Voilà, finalement, ils se sont dit, on va faire quelque chose, on va bien le travailler, on va bien le façonner, et on va avouer, il est très très bon ce Dishonored, et honnêtement, l'aspect design est excellent, et très franchement, c'est une des très très belles réussites, en tout cas, de cette année 2016. Est-ce que c'est le meilleur jeu 2016? Ça, après, c'est chacun, bien évidemment, à son avis sur la question, hein, bien évidemment. Mais je trouve tout de même que c'est une très très belle réussite. En tout cas, c'est un excellent jeu d'infiltration. En tout cas, plutôt, c'est un excellent jeu. Et la trame scénaristique, d'ailleurs, je m'attendais vraiment à ce... Après, le défaut qu'on pourrait dire sur Dishonored, c'est le fait qu'il n'ait pas pensé à faire deux scénarios différents entre Corvo et Emily. Puisque finalement, eh bien, le fait que Emily vous ayez un peu la même chose, vous fait allonger la durée de vie sans vraiment la vouloir l'allonger. J'aurais aimé, par exemple, des opportunités un peu plus différentes. J'ai joué avec Corvo. Alors, vous faites pas tout le temps la même chose, très clairement, parce que voilà, vous avez différentes choses qui vous perdent. En fait, voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple. Corvo, par exemple, ne peut pas utiliser l'ombre, des choses comme ça. Oui, ça aussi, ça c'est un petit défaut. Les pouvoirs de Corvo sont relativement bof. Voilà, je trouve que il y a pas beaucoup d'infiltration, il y a beaucoup du bourrin. Alors peut-être qu'ils ont voulu faire deux gameplays différents, mais très sincèrement, j'ai adoré. Franchement, c'est très très bien. Et on va pas bon, allez, on va y aller. Allez, le mot de passe. Je préfère le vin cerconien au geôle de Tivia. Et je préfère avoir la chaude pisse de Bristol que la goutte de Morlaix. Voilà. Merci. Donc là, vous allez récupérer, bien sûr, diverses choses. Pas grand-chose. Enfin, j'ai récupéré une clé, mais sinon, on va dire que c'était relativement... Y a pas grand-chose. Ouais, j'ai récupéré la clé de la boutique clandestine. Alors je peux ouvrir ça, c'est très cool. Ça sert un peu à rien. Ah d'accord, en fait, quand vous faites ça, il ferme et il se casse. De toute façon, j'avais tout récupéré ce qu'il me fallait. Ouais, j'avais tout récupéré de toute façon. Ouais, j'avais tout récupéré, je pouvais pas en faire plus. Ah, c'est bizarre quand même qu'ils aient... fait le strict minimum. Ça cache quelque chose, ça. Parce que là, quand même, pardonnez-moi. Vous pouvez récupérer en fait des. En fait, là, vous pouvez récupérer des objets, mais vous les aurez juste à l'unité. Vous les aurez pas. Ça peut se tenir. Bon, en tout cas, bon, on a fini ici. Enfin, il avait dit qu'il s'en irait bientôt, donc finalement, il lui dit le geste à la parole. Bon, allez, on va continuer maintenant. On va directement aller. Bah, tiens, on va prendre un petit peu la hauteur. Et on va. Ça casse au bout d'un moment. Bon. Allez, on va faire ça.
Et les maintenant, bah il va falloir quitter la petite zone. D'ailleurs, j'ai des petits. Bah, l'appartement du marchand se trouve. Alors l'appartement du marchand, il est. Ah, il est là. Il était là. Donc j'ai réussi à récupérer quelques petites choses. Donc on va essayer de voir si justement l'appartement du marchand, je vais pouvoir l'utiliser à mes propres moyens pour tout bonnement m'en servir et avancer. Moi j'ai dégommé un peu tout le monde ici. Il ne devrait pas y avoir de problème. Mais bon. Donc là j'ai récupéré donc cette clé. On va se dépêcher de descendre. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi Sio tu ne l'as pas fait, c'est parce que tout bonnement la capture a... La capture en fait a... j'ai beaucoup fêlé quasiment longtemps. Donc j'ai dit ça ne sert à rien de vous faire je dirais une centaine de vidéos. J'ai préféré tout de même arrêter, faire tout ça en off et vous proposer en fait un contenu plus intéressant et plus épuré. C'est sans doute un parti pris que vous n'auriez sans doute pas fait, je peux le concevoir. Mais voilà mon idée par rapport à ça. On va se dépêcher. C'était ici, je crois. Ah, c'était là. Non, je peux ouvrir la porte. Ah non, je peux pas. Bah, la clé que j'ai récupérée, elle sert. Ah, mais j'ai pas récupéré. Ah, ouais, mais. Alors, attendez, on va faire un truc. On va remonter le temps. Est-ce que je pourrais. Parce que... Ouais, mais le problème c'est que c'est un peu loin. Ça m'arrange pas un peu là. Bon, allez jusqu'ici, voilà. Et on va fouiller. Je pense que la clé se trouve... La clé se trouve là-bas, mais c'est quand même bizarre. Je la trouve pas, cette putain de clé. Là, on est là. On va revenir, on va essayer de la trouver, cette maudite clé. Ah, vous allez l'aimer, hein, la boutique clandestine, hein, parfait. Voilà, on va venir là. Pourquoi cette clé? Très étrange d'ailleurs. Ah, attendez. Ah, ça, c'est les volets. Ça, on s'en fout. Bon, il y a des grenades. Ah, j'ai pris la clé de la boutique du marchand. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Bon, de toute façon, j'ai plus important à faire. Ah, si vous voyez une clé, vous me dites, hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une clé là. C'est quand même bizarre, quand même, hein. Alors, j'ai peut-être fait une connerie, hein. Pour faire un truc. Peut-être que j'ai fait une énorme connerie en sortant par là. Comme il a... Il y a un truc qui met... Alors, on va faire un truc. Ah, il y a des bouteilles de chloroforme, on aurait pu les utiliser. On va juste regarder dans la Solus, Dishonored. Parce que ça, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose, si je voulais vous montrer ça et que ça marche pas. Alors, il y a une autre façon hein, de passer, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, alors, histoire. Non ! Putain ! Oh, je kiffe quand les trucs se passent pas comme prévu. Alors, nous étions donc au Grand Palais. Donc là, c'est le tableau de Sokolov. Les flèches anesthésiantes. Le mot de passe, ça c'est bon, ça c'est réglé. Ça, je l'ai fait. Vous allez apercevoir deux hurleurs. Bon, ça neutralisez-les. L'hôtel de l'outsider, il est fait. Mot de passe, ça c'est fait. Attendre le Grand Palais. Voilà, c'est bon. Alors, le mirador, la maison de sauter sur les rails en contrebas. Utiliser la clé, voilà, la clé elle est où? Alors comment elle s'appelle? La clé appartement du marchand. On va prendre appartement du marchand. Alors je sais que ça vous prend du temps, mais bon, moi ici, voilà, appartement. Voilà. Alors, attendez la départ du soldat, puis neutralisez le vendeur. Ouvre, bah oui, la clé, bah, la caisse enregistre. Ah, c'est pas là! C'est celle de Winslow! D'accord. Bon, finalement, j'ai fait ici, ça servait un peu à rien. En fait, c'est Winslow. Je sais pas si vous avez vu, je me suis fait repérer à un moment donné. Y a pas de souci, on va y aller.
Alors voyons voir. Parce qu'en fait là, en fait, il faut que je me dirige là. Donc là, je vais prendre ici. Et en fait, si vous voulez, il faut que j'aille dans cette, dans cet établissement. Et je pense que ça, je peux y aller là. Je peux aller comme ça. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Et là, cette maison, ouais. Donc là, je descends. On va prendre notre temps, hein, vous inquiétez pas. On ne va pas se presser, on va pas aller trop vite. Il y a cette maison. Est-ce que je peux passer? Non, je pense pas. Là, je vais me faire repérer. On va y arriver. On va y arriver. Je sais que c'est un peu là du bourrinage. Je connais les lois de Karnikar. Les lois changent. Le duc a autorisé la Grande Garde à instaurer de nouvelles taxes en cas de besoin. Vous savez qu'il y avait une jolie boutique, elle aussi, cette horlogère. Serafina, son commerce a brûlé. Ouais, exact. Le rapport indique que c'était sûrement un coup des hurleurs. Mais personne ne sait comment le... Est-ce que ça va? Ah, j'aurais pas dû, là. On va recommencer. Alors, je sais que c'est long, hein, je m'en excuse réellement. Mais ça, c'est une partie, voilà, qui peut vraiment vous intéresser. Cette horlogère par la queue tordue de la Serafina, sous commerce à brûler. Ouais, exact. Le rapport indique que c'était sûrement un coup d'accord. De hurleur. Ah, ils sont là-bas. D'accord. Quelque chose ne va pas. D'accord, ils sont là-bas. Donc, je vais essayer de faire différemment. Donc là, ils sont en train de discuter. Cette horlogère par la queue tordue de la Serafina, sous commerce à brûler. Ouais, exact. Le rapport indique que c'était sûrement un coup des hurleurs. Mais personne ne sait comment le feu a démarré. Capitaine, son frère est mort dans cet incendie. Cuvée ivre mort dans la réserve, si mes souvenirs sont bons. Vous avez jusqu'à demain pour payer. Alors, on va recommencer. Je vais faire attention, je vais me mettre derrière les escaliers pour éviter de me faire repérer. Qu'est-ce que je suis? Comme un bas sans jambes. Voilà. Ah, bonjour. Vous vous trouvez chez le meilleur vendeur de coffre-fort de Karnaka. Merci. Je regrette, mais les clients n'ont pas le droit de... Oui, je m'en vais. Donc là, ah c'est lui, d'accord. On va se dépêcher. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ensuite. Je vais passer là. Je suis pas jamais passé là en plus, je crois. Eh non, je suis jamais passé là en fait. C'est une nouvelle découverte, vous avez vu. Donc là, c'est une petite zone. Ah, c'est la zone avec... Oh, c'est génial ça. Ah, comme quoi, vous voyez, on peut passer par différents chemins. C'est impressionnant, hein, Dishonored. Donc là, je passe par là. On descend. On fait très attention. Prochaine fois. Ce qui est bien d'ailleurs avec le mendiant, c'est qu'il me repère toujours. Donc là, on est là. Donc là, je pense qu'on peut se diriger vraiment par là. Là, je vais me planquer un petit peu pour éviter de me faire attraper. Bah, je pense que je peux... Là, je pense que je peux aller comme ça, hein, parce que j'ai dégommé un peu tout le monde, donc il n'y a pas de souci logique. Là, ils sont tous là-bas, là. Et je vais pouvoir me diriger vers le portail foudroyant et commencer la mission du Grand Palais. Je pense qu'on fera 3 épisodes. Hein. Je pourrais pas vous confirmer parce que j'ai pas encore tout ça. Mais c'est vrai que... Est-ce que ce genre de choses, on aurait pu le deviner tout seul? J'avais pas eu la soluce, ça aurait pu être compliqué. Là, j'ai un peu cherché par moi-même. Je vous avouerai que la soluce, je suis allé voir. D'ailleurs, je pense que la soluce, vous êtes quand même pas trop mal. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a des choses, bien sûr, que j'ai trouvé tout seul. Mais c'est par exemple la porte de l'appartement du marchand, j'aurais jamais trouvé tout seul. Hein. Mais au moins, voilà, on cherche des petites choses. L'appartement du marchand, voilà, j'aurais jamais trouvé tout seul. Ça, je vous le dis tout de suite, ça aurait été assez compliqué, vous voyez.
le dis clairement, l'appartement du marchand, ça aurait été... J'aurais sans doute pas trouvé tout seul. Mais le reste, voilà, j'ai un peu trouvé. Alors, on peut vraiment aller passer par là, mais je vais m'occuper du coffre-fort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un code ou quelque... Ah, peut-être que le code se trouvait dans le... On va jouer comme d'habitude. On va se mettre comme ça. Alors, c'est assez rare que ce soit deux chiffres, mais bon, faut mieux tenter. Donc, pour revenir à ce que je disais, oui, alors, pour ceux qui se demandent, oui, j'utilise une Solus. Parce que j'essaye quand même de faire le jeu au maximum pour vous proposer un maximum de choses. Peut-être que ce sont des choses que je devrais pas faire. Hein. Peut-être que je devrais vous laisser comme si voilà quelqu'un qui ferait des choses sans faire. Mais voilà, par exemple pour ce qui s'agit de... Mais voilà, moi je pense que c'est important aussi de vous proposer un maximum de choses. Là, je vais vous avouer que les précédents épisodes, que ça soit l'épisode sur, je sais pas, différents épisodes, notamment l'épisode... un peu l'épisode sur comment il s'appelle on met comme ça voilà 6 l'épisode sur laissez-moi réfléchir hein, que je me trompe pas l'épisode précédent où il y avait le temps j'ai entre guillemets j'ai pas eu trop de difficultés, c'était assez logique hein, à mon avis il fallait modifier le temps et donc ne pas faire en sorte que Stilton soit dans l'endroit. Le fait d'avoir le temps qui balade, il y avait quand même une certaine logique. J'ai fini par comprendre. Et après, pour ce qui est celui du Kirijindosh, bah, je l'avais déjà fait, mais la seule différence que j'avais fait, la différence avec Corvo, c'est que je suis. Ah voilà. C'est que je suis. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis. En fait, je me suis fait repérer. Mais ça change rien, on va dire. J'ai rendu fou le pauvre Kirijindosh. C'était passé. Et pour ce qui s'agit de celui du conservatoire, par contre, j'ai fait sans Solus. J'étais assez content de moi. J'ai fait sans Solus, j'ai fait sans rien. On va aller au Grand Palais maintenant. Et donc ça, franchement, c'est une super trouvaille. Et honnêtement, voilà ce que j'ai pu dire. Après, le petit défaut que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que des fois, bah, ça gâche... certains diront sans doute que ça gâche le plaisir du jeu. D'autres diront que voilà, il y a d'autres méthodes à faire. Moi, je pars du principe que le plaisir, voilà, moi j'ai pas d'a priori là-dessus. Je pars du principe que voilà, on peut, la difficulté elle est là, et surtout on peut chercher par soi-même et après bien sûr demander de l'aide si vraiment on est incapable d'avancer. Moi je suis désolé si j'ai du mal et que je vous proposer un maximum de choses, c'est vous faire comme ça. Après peut-être que vous direz non Sio, nous on veut vraiment que tu nous montres comme si tu montrais ça pour la première fois. Et là à ce moment là ça change tout. C'est vrai que là par contre vous avez marqué un point. Ça se discute, voilà, je laisse vraiment les personnes discuter ensemble et avoir leur propre opinion là-dessus. Alors, maintenant qu'on a fini de débattre sur ce qui est bien et mal, on va maintenant et bien se diriger. Donc vous avez vu, hein, j'ai passé par là. Donc on va passer par là, on va essayer bien sûr. J'ai vu la petite voiture qui était là. Je vais essayer de la prendre. Je pense que cette magnifique petite future, eh bien, elle me sert bien sûr à aller jusqu'à là-bas. Non, je peux pas. Ah, elle est pas utilisable cette voiture. Ah bah écoute, on va pas s'en plaindre hein, écoutez. Bon allez, c'est pas grave, je vais marcher sur les rails. Voilà, la petite différence elle est là aussi, c'est comme les rails ont été désactivés, je peux me rendre directement à Karnak, dans le Grand Palais de cette façon. Chose que ce n'aurait pas été possible si ça avait été pas le cas. Là, par exemple, j'aurais galéré. Alors, en fait, ce que j'aurais fait, pour vous dire, si je regardais ça comme ça, j'aurais sans doute, eh bien, grimpé, sauté dans l'eau. Et j'aurais sans doute... tous les charmes sont là-bas. J'aurais dû, eh bien, me diriger de cette façon, grimper par là, prendre par ici. Et je suis même pas certain que j'aurais pu grimper là, parce que là, je vois les... La différence, elle est quand même assez... Ah si, peut-être, en grimpant ici, en grimpant là, et... Je serais remonté. Mais on va pas se mentir, c'est assez. Il y a un autre esprit ici. Au-delà de sa prison de chair. Ouais, ça s'appelle Delilah, ma...
Ah, il y a un passage secret. Alors bah, l'idée maintenant, eh bien, c'est de trouver la doublure. Alors je vous explique. C'est, on a vu qu'il y a une doublure et cette doublure est plutôt sympathique. Et l'idéal, ce serait donc de remplacer la doublure de donc de du Lucas de Lucas Abel et le mettre à son pouvoir. Comme ça, il pourrait rendre le peuple dans une bonne situation. Je pourrais peut-être trouver un autre moyen de neutraliser le duc. Voilà, trouver un autre moyen de neutraliser le duc. Alors, par contre, il y a juste un truc, c'est que là, je vais me casser la figure. Donc là, je vais grimper là, voilà. Comme ça, je suis tranquille. Non, c'est pas moi, et tant mieux. C'est jamais très bien. Tu m'étonnes. Je sais pas. Alors, voyons voir. Vous avez surpris quoi? Ah, qui est pire, le duc ou sa doublure? Le premier peut te faire fouetter pour un oui ou pour un non, et le deuxième est à mourir d'ennui. D'accord, identifier la doublure. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que j'identifie, en fait, la doublure et je lui parle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va faire un truc, c'est que, il va y avoir donc le duc, Lucas Abel, qui sera là. Et je vais faire en sorte, mais le truc, c'est que, si je me présente à la doublure, si j'élimine la doublure, là, je ne pourrai plus... Eh bien, faire le changement. Donc, il va falloir faire un test. Ça va être un petit défi. Et de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc là, je vais grimper là. Alors, je pense qu'on va essayer de voir. Alors, d'après ce que je peux voir, on dit que les appartements. Une sorte de petite chance. Il n'est pas toujours au même endroit, ce qui est quand même assez sympa. Donc là, j'avance ici. Ah, attendez. On va grimper là-haut. Donc, tant que je suis assez là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Par contre, ouais, c'est vrai que les charmes d'os, ils sont tous en bas. Il n'y a pas de souci, on va suivre. Pour l'instant, je vais surtout essayer de visiter, je vais surtout essayer de trouver des solutions. Ah, je peux plus grimper là. Ouais, ça m'étonne pas trop. Ouais. Là, je commençais vraiment à prendre vraiment de la hauteur. Ouais, je vais aller là. Ouais, ils n'avaient pas pensé. Ah, il y a d'avoir des... Ah, attendez, un nouveau... Quelqu'un indique qu'un repas devait être servi dans les appartements du duc ce soir. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut que j'aille dans les cuisines et que j'aille chercher. Alors, s'il n'est pas déjà pris ou s'il va être pris, parce que c'est un peu comme dans Hitman, hein. Il y a une chronologie et la chronologie, elle vous emmerde. Hein. Donc là, a priori, ça serait l'un des deux. Ne soyez pas déçus, ce n'est pas une question de mérite. Le premier cercle n'est qu'un ramassis d'hommes de paille à la solde du duc. Heureusement que je n'en... Ouais, il faut que je marche en fait sur les... Je ne peux rien. Je parie, il se réveille si vous touchez à la... Ah, je disais bien qu'on allait me repérer. Donc, on va reprendre. Hey! Ici. Alors, a priori, j'ai pas encore l'information comme. Ah, ça c'est pas mal ça. Attendez. Une pauvre chaussette. Très intéressant. C'est pas mal tous les indices qu'on a eu là. Enfin, c'est le premier où on a pas mal d'indices. Alors il y a une dame qui est en train de faire la ménage. Alors il faut que je réfléchisse à comment je vais atteindre. Donc s'il y a ces deux là qui vont me casser les couilles. Et je peux plus utiliser la porte de la boutique clandestine puisque je vous rappelle que je l'ai un peu plié. Réfléchis. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une bouteille de soda à la poire? Il y a pas mal de charme d'os un peu partout, là, c'est pas mal. Ouais, regardez, justement, plus on nous montre le. Ça me met l'eau à la bouche. Ah, il y en a un là. Oh la tête qu'il a faite. Tu te retrouves dans ce monde cruel avec une poignée d'alliés pour t'épauler.
toi tu radotes. Alors attends, je vais faire un truc. Ah, il est là dedans. Il y a personne. Alors, on va descendre. Oh, je m'étonnerais qu'il soit tout seul. Ah ouais? Ah, il y en a un qui est là-bas, je sais pas qui c'est. Tiers du. Ça m'aurait pas étonné. Je trouvais ça étonnant qu'il était un peu tout seul. Le problème maintenant, c'est qu'il faut que je commence à réfléchir à comment je vais atteindre mon objectif. C'est pas facile, hein. Honnêtement, ça va être l'endroit le plus casse-pied par excellence. Donc il faut chercher. Il y a ces deux-là là, qui vont me casser les pieds un petit peu. Il faudrait que je vois un peu comment faire. Personne sait ce ah, il y a cette rambarde là qui pourrait m'aider. Je sais pas si c'est une idée. Ne soyez pas déçus, ce n'est pas une question de mérite. Le problème c'est que là j'ai un charme d'os qui a pas mal de charme d'os partout. Maudit chouette. Heureusement que je n'en fais pas partie. Oh, certes, et n'oubliez pas une chose, quand toutes ces querelles pour le trône auront cessé, le duc devra placer. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée de traverser comme ça là, comme si de rien n'était. Bon, écoutez, on va essayer. Mais quelque chose ne va pas. Oui, c'est mon vue. Et quand on me voit, en général, c'est pas bon signe. Ouvrez-port. Même faire les plus belles créatures ont la peau aussi livide qu'une larve de mouche. C'est à ça que sert le brandy. Alors je suis en train de réfléchir, hein, donc c'est pour ça que je suis en train de voir un peu comment je peux faire. Ça a l'air pas évident, hein, honnêtement. J'en ai encore pour combien de temps? C'est là qu'une montre me sert. Cette laine, ça gratte comme pas possible. Pourquoi je peux pas porter mes vêtements normaux? Ce serait charmant. Quelque chose. L'endroit a l'air bien. Demandons à l'expert foncier de retourner inspecter les canalisations de la rive. En fait, je suis en train de chercher comment je pourrais avancer. Hein. Ici, ça a l'air d'être calme, il va y avoir rien du tout. Et le problème, c'est qu'il y a des ennemis à l'intérieur. Donc je ne peux pas sans arrêt monter et dire bon bah c'est cool, c'est moi. Ah, il y a un homme là. Regardez. Ah, il est là-bas, regardez, je le vois. Ne soyez pas déçus, ce n'est pas une question de mérite. Le premier cercle n'est qu'un ramassis d'hommes de paille à la solde du duc. Maudit lèche-botte, je suis content de ne pas en faire partie. Certes, il y a pas mal de personnel. Quand toutes ces querelles pour le trône auront cessé, le duc devra placer des hommes à la tête des... Et être gouverneur de Windown ou Freeport. Ou même les plus belles créatures ont la peau aussi livide qu'une larve de mouche. Et c'est à ça que sert le brandy. Je vous préviens, je vais appeler à l'aide. À l'aide ! Laissez-moi. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair, il appelle à l'aide. Il a dit, et au moins lui, il est respectueux. Quand il dit quelque chose, il le fait. Eh bien. Attends, on va faire un autre truc. On va lancer le. Ne soyez pas déçus, ce n'est pas une question de mérite. Le premier
On va faire ça. On va mettre ça là-haut. Et n'oubliez pas une chose, quand toutes ces querelles pour le trône auront cessé, l'idée c'est en fait de le faire partir et des îles septentrionales. Qui se battent. Vous pourriez être gouverneur. Enfin, qui se bat. Ou frère Pavor. Ou même les plus belles créatures ont la peau aussi livide qu'une larve de mouche. Alors on va attendre un peu, on va attendre quelques minutes. Ah moi il va sortir, comme c'est dans le script. Comment est-ce qu'ils ont pu laisser quelqu'un voler une cargaison entière d'huile de bain ? Ah non non mais c'est pas bien là ! Ah non 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 mais c'est pas bien d'être là ! Ah mais c'est très mauvais ! Oh non mais qu'est-ce que t'as fait mon petit Edouard ? Venir comme ça, non mais c'est pas bon. Faut que je trouve un uniforme de rechange. Auriez-vous envie de passer une journée au jardin ? Donc si j'en ai deux, et que je lui en donne un. Attention, attention, attention. Mais si je le mange, non, si lui, il le mange. Alors quoi ? Donne-moi ce que je veux. Ouais, il s'est parlé au chef. Qu'est-ce que je vous ai-je botte ? Oh putain ! Que tu fais là, toi ? J'en ai plus cassé, je sais pas gagne. Je paie une fortune pour éviter ce genre de problème. Je sais pas, j'y viens. C'est pas d'avoir de la chance, quand même. Le dîner a été seul. L'eau du bain était trop chaude. Et si nous emmenions nos invités à la cueillette, on va le mettre là. N'était pas rangé au bon endroit. C'est honteux. Ah, ils ont l'air d'avoir troubles. Entre guillemets, fait un petit détour. Hein. Bon, si difficile de garder. On va utiliser l'effet domino. Je ne supporte même pas voilà. De les entendre. Oh la cette tête qu'il a classe fait. Populaire. Qui est-ce qu'il s'attendait à voir de qu'à lui. Je la vois. Ah bah non, forcément. Il y a des lattes. Comme on fait son lit, on se ah, j'aurais couche. Bien aimé pas être cas. Ah, je sais comment si je faisais moi-même mon lit. Les domestiques sont là pour ça. Je vais faire ça. Je crois que je vais exploser si j'entends quelqu'un d'autre se plaindre. Bon, ça recharge. Et là, attention. J'en ai encore pour il est temps. C'est là qu'une montre me serait utile. Tabono ! Je sais ce qu'il faut. Une autre soirée au Rum Club. Nous devrions louer un autre bateau un de ces jours. Donc voilà, ils sont en train de dormir progressivement. J'ai bien comment ils... Ça c'est mort, ça s'appelle la mort classe. Ça s'appelle la mort genre je meurs en faisant croire que j'avais un truc dans les mains. Je me fiche de ce qui se passe. Moi j'ai du travail. Pas question de jouer les héros. Ah ! Est-ce que c'est le Duc Abel ? Bon, on va vérifier. Eh ben c'est... Pas de baisse-bain. Vous n'esquissez même pas une révérence. Vous non plus, que je sache. Voilà qui était... Qui s'est passé ? J'ai pris un courjus, j'ai pas compris. Ah, j'ai peut-être... Ah, d'accord. Je pense pas que ce soit lui. Je pense pas. Je pense pas parce que regardez, il est au-dessus d'un truc. Je dois monter sur la balance chaque semaine comme une bête de concours. Et attends. Prendre un kilo par-ci et en perdre deux par-là, selon l'appétit de ce cher duc. Ouais, mais le problème c'est que si je me fais... Mais c'est passé quoi ? C'est un truc de ouf !
Attends, Pascal. Pourquoi je me fais électrocuter à chaque fois? Il s'attribue tout le mérite de mes peintures et se moque en moi. Pourquoi? Croûte à ses amis. Ça... J'ai rien compris. Honnêtement, là, je comprends pas. Pourquoi je me fais électrocuter? Alors par contre, si vous comprenez ce qui se passe, vous me dites. Je prends un peu de hauteur, on sait jamais. Ah, c'est peut-être ça. Ah, attendez. C'est ça. En montrant mes croûtes à ses amis. Oh mais ta mère, putain! Je peux même pas m'approcher! Mais c'est une blague? Je peux même pas m'approcher! Donc je vais faire quoi? Je vais me... Donc ça veut dire que je ne peux absolument pas m'approcher. C'est-à-dire que là, c'est nique ta mère! S'attribue tout le mérite de mes peintures et se moque en montrant mes croûtes. Bah, alors en fait, quand vous passez ça, bon, attends. Peut-être qu'avec la vision, tu peux avoir un truc. Ouais, ça doit être ça. Bordel, comment tu veux que je fasse ça? Ah mais c'est un truc de malade. Si je fais... Attends, on va essayer parce que j'ai peur. Épouser une doublure. Comment s'est passée ta journée, chérie? Tu as réussi à imiter ce clown comme il fallait? On va voir. Pas de baisse-main? Vous n'esquissez même pas une révérence? Vous non plus, que je sache. Voilà qui est étonnant. Alors très bien, allez-y. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Pour moi, c'est la doublure. Pour moi, c'est la doublure parce que la manière dont... Écoutez, je pense que vous êtes la doublure du duc. Vous devez le détester, c'est évident. Je suis ici pour mettre un terme à son règne, et j'ai une idée qui devrait vous plaire. C'est vrai, vous m'avez démasqué. Mais si vous n'êtes pas là pour assassiner le duc, que voulez-vous? Quelque chose me dit que vous ferez un bien meilleur duc que Lucas Abel. Si mon but était de le renverser sans effusion de sang, seriez-vous capable de convaincre le monde que vous êtes le véritable duc? C'est une idée audacieuse qui m'a déjà traversé l'esprit, je dois l'avouer. Si les gens sont persuadés que je suis Lucas Abel et que c'est lui qui sert de doublure, nous pourrions le faire enfermer pour démence. Nous pourrions convaincre tout le monde que le sosie a fini par perdre la tête et à se prendre pour le duc, le vrai. Voilà des années que je perfectionne sans cesse mon jeu d'acteur, mais il y a un problème. Il me faut son médaillon. Même si je suis convaincant, ce que je serai assurément, les officiers de sa grande garde exigeront de le voir en guise de preuve. Lucas ne s'en sépare jamais. D'accord. Ça ne devrait pas être difficile. Dès que j'en aurai terminé ici, je partirai pour Dunwall et vous ferai bientôt parvenir des instructions. J'attends la plus grande coopération de votre part. Nous pouvons encore sauver Cerkonos et effacer les ravages causés par le duc Abel. C'est une idée qui me plaît, mais je compte diriger Cerkonos comme je l'entends, et pour le bien de ses habitants. Je ne serai pas la marionnette obéissante de votre empire. Si vous acceptez cette condition, amenez le duc inconscient dans ses quartiers privés, et je m'occuperai du reste. Nickel, voilà, on a réussi, c'était la doublure. Finalement, on l'avait trouvé du premier coup. Putain, il m'a électrocuté. Alors juste, il y avait un truc à récupérer. Voilà. À récupérer. Donc là, le duc Lucas Abel, appartement de Lucas Abel. Ok. Est-ce que je peux récupérer? Merci. Bah quoi, faut bien... Eh, y a pas de petit profit, hein. Non mais je me dis bien que c'était pas le duc, il parlait trop comme un... Après, il peut jouer la comédie, mais il faut pas l'intérêt. Qu'est-ce que... Donc là, les superviseurs, les choses doivent être un peu différentes.
Maintenant, il faut que je ramène Lucas Abel ici. D'accord. Passage secret, je sais pas c'est quoi. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a... pas grand-chose. Ah, peut-être... non, je peux pas le prendre. Il y a quelques portes ici présentes, on va peut-être regarder. Là, il y a le passage secret, il y a un mec qui est en train de nous faire un petit truc. Et là, ça a l'air d'être sacrément calme. Bon, on vient de sortir de l'ouverture, je vois pas trop l'intérêt. Merci. Bon, l'autre elle dort. Bon bah écoute, va continuer à dormir mon enfant. Donc l'idéal c'est maintenant de monter et de voir un peu ce qu'on peut faire. Bureau du premier capitaine. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a un homme qui est couché. Désolé mon gars. Je sais pas si tu es ami ou ennemi. Mais en tout cas, tu sauras pas ce que je prête à faire. Le mec chlore là. Il était en train de dormir. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, je suis tranquille. Casier, y a pas grand chose. Petite cartouche, rien de bien transcendant. Le duc est là-bas, donc attendez. Il faudrait que je descende là. Ah oui, on n'est pas loin. Ouais, mais attention, parce que. Voilà. Voilà, je me disais bien qu'il n'était pas tout seul. On voit bien ce que c'est. D'accord, il est en train de... Ah, j'aurais dû utiliser l'effet domino. Ah voilà, l'erreur de moi. J'aurais dû utiliser l'effet domino. Là, je me retrouve dans une situation très complexe. Je vais pouvoir faire... Ah, utiliser une flèche anesthésiante encore. Est-ce que je pourrais... Ah, attendez, si je fais ça... Ben voilà. Alors, est-ce que je peux? Et ben voilà, vous voyez que ça marche! Cadeau, dodo! Alors, sécurité renforcée. Postez des gardes supplémentaires devant les appartements du duc car son éminence y passera la nuit. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que voilà, la carte, c'est la sécurité sera renforcée et ça veut dire surtout. Il va falloir sacrément serrer les fesses. Donc ça veut dire que une approche directement pour aller voir ce qu'il fait comme truc ne serait pas une bonne idée. Alors attends, je comprends pas là. J'ai récupéré un indice. J'ai pas récupéré un objet ou quelque chose que... Il avait une clé. La clé de la chambre forte. Alors sinon, c'est pas, on va pas se prendre la tête, hein. On va refaire comme d'habitude. C'est chiant, quoi. Pas comme si vous aviez l'habitude de pas me voir. Alors on va juste enlever parce que c'est quand même assez chiant. Bon, on va le faire. Après, moi, au niveau de la... Voilà, au niveau de ça. En tout cas, c'est... Trouver le duc Ukabel du jour du premier. Enfin la doublure c'est quand même pas mal. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup de sécurité. Je fais quoi là? Wow, je suis en train de n'importe quoi. Voilà, on tourne.
Si c'est pas trop long, ça devrait aller. Si c'est un peu long. Hop. Voilà, hop. On va essayer de se dépêcher un peu, comme ça à la limite ça vous évitera de me voir faire ce genre de conneries. C'est sympa honnêtement. D'ailleurs il y a un truc qui est pas mal dans ce jeu. Qu'importe que vous soyez tous les niveaux sont différents. Il n'y a pas un niveau qui s'y ressemble. Honnêtement tous les niveaux sont ont leur propre style. Et ça honnêtement c'est pas donné à tout le monde. Honnêtement il y a des jeux en général l'originalité vous pouvez vous asseoir dessus. Et là honnêtement c'est pas mal. Voilà. Hop hop hop. Assez chiant, hein, je vous le dis. Mais sinon, faut que je trouve le code et à la limite, j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc voilà. Alors, bah, tu vois, on va parler un peu de la chaîne. Hein. Ça, à la limite, ça va vous faire un peu passer le temps. Bah écoutez, pour le moment, bah, on continue tranquillement avec Dishonored. Donc le mois prochain, vous aurez la série Resident Evil. Vous aurez Resident Evil 5 et Resident Evil 7. Donc vous aurez RE7 et RE5. Vous aurez peut-être un live hein, qui va être fait pour RE7 pour ceux qui se poseraient la question. Juste après vous aurez ça. Ensuite, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il n'y aura pas de Rayman 1. Le jeu est trop difficile en fait. Voilà pourquoi. Et ce serait totalement débile de vous faire ça. Moi je préfère voilà vous dire les choses. Voilà, j'y arrive pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous propose Crash Bandicoot. Il sera peut-être dur, peut-être que je vais galérer. Mais voilà, ça sera l'aspect jeu de plateforme. Finalement, ce sera pas la série Rayman, ce sera l'aspect jeu de plateforme. Ensuite, vous aurez la série Mass Effect, puisque vous aurez Assassin's Creed, Mass Effect 1 et Mass Effect Andromeda. Donc, c'est le dernier Mass Effect hein, qui va sortir très prochainement. Et vous aurez ensuite eh bien, la série des Point & Click avec The Secret of Monkey Island. C'est un jeu qui d'ailleurs vous fait un... est pas mal, bon, honnêtement, j'adore ce jeu. Et c'est un jeu qui est très plaisant, moi je vous invite vraiment à le faire. C'est un point and click et vous aurez The Walking Dead. Donc le premier épisode, hein, juste le premier épisode. Et donc après, bah, on va faire d'autres jeux, etc. On va voir un peu ce qu'on peut nous proposer. On arrivera carrément, quasiment au mois de mai. Faudra voir un peu le catalogue des jeux pour voir un peu ce que ça donne. Mais très clairement, voilà, moi j'ai proposé un peu tout ça. Entre les deux, il y aura du Overwatch, il y aura du, il y aura divers jeux qui vous seront proposés. Il y aura du Overwatch, il y aura du plein de choses qui vous est donné. On tentera bien sûr de vous proposer un maximum de contenu. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire hein, si vous avez des jeux qui peuvent vous intéresser, et anciens ou nouveaux. Moi, je considère qu'il ne faut pas bouder tout ça. Ah oui, je peux préciser, ouais. Il y aura aussi, donc, juste avant les potes et clics, vous aurez Assassin's Creed 2, le deuxième épisode. Et vous aurez comment il s'appelle le jeu là Batman Arkham Origins. Voilà, vous aurez le jeu Arkham, donc qui sera la genèse de la série Batman. J'ai voulu vous le faire parce que je trouve voilà, on n'avait pas terminé le jeu, on n'avait pas réussi à le clore. Donc je me suis dit bah écoute, on va le faire et on va faire en sorte de faire tout ça. Et le cadran, pour ainsi dire, il se laisse un peu désirer. Hein. Allez. Putain, c'est fatigant hein, de faire ça. Et depuis j'ai une tendinite voilà, on va continuer. Hein. Donc il y a une petite émission que je réfléchis aussi. C'est une émission qui s'appelle Gaming News. Alors, en fait, qui vous rappellerait, on va dire, tout ce qui se passe dans la scène du jeu vidéo, les trailers, les machins. Mais j'ai pas encore réussi à définir vraiment ce que je voulais faire de cette émission. Pour l'instant, on va dire qu'elle est en stand-by. Non, c'est long hein. Ne vous inquiétez pas hein. Je sais que vous aimez trop quand je tourne des boutons. Mais ça viendra. Allez, 480. Ah, si le truc c'est 890, on n'est pas dans la merde hein. Je vous le dis tout de suite. Allez, dépêche, c'est long. Et les abonnés ils attendent hein. Les abonnés ils me voient tourner un bouton là. Alors, j'ai pu un peu les faire attendre un peu. Mais là ils vont finir par me croire que je le fais exprès. Eh ben voilà, 519. Merci, merci, merci. Voilà, c'est bon. Combien de temps il reste? 54. Eh ben dis donc.
Il reste 6 minutes pour vous proposer encore des... Ah, attendez, il y a du... Ah, il y a à manger. Bon, je me gratte un peu le front. Puis-je vous inviter à jouer aux cartes plus tard? Bien sûr. Quelle idée splendide. Oh, putain. C'est l'armurerie. C'est cool, ça. Voilà. Alors, on va quand même voir un peu ce qui se passe. Donc moi je suis dans la salle. Je suis où moi? Je suis pas dans la salle à manger, ça c'est sûr. Je suis pas dans l'ascenseur, ça se saurait. La salle de la salle. Ah, la salle du grand trône peut-être. La salle du grand trône, là j'ai. Oh, je sais pas trop où je suis là. D'accord, bon. La nouvelle carte a été ajoutée. Bon, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Ça a l'air un peu bloqué, hein. Je sais pas trop où il faut que je passe. Câblage, des petits câblages qui sont pas trop utilisés hein, quand même. Ah, t'as l'air viril comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez rien vu. Ça s'appelle un fail. Bon, vous savez quoi? Je recharge. Eh oui, je recharge. Parce que c'est comme ça. Reprendre. Il y a pas mal de fléchettes. Les fenêtres et les saisons sont plus productibles que les. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a un monsieur qui est emprisonné. Alors, attends. Ça, par contre, ça, on va aller l'aider. Il ne faut jamais laisser un homme. Sauf quand tu te fais repérer comme une grosse merde. Alors, on va recommencer. Donc là, il faut que j'aille ici. Je saute. Voilà. Ah, il était là. Devrions-nous nommer votre neveu comme directeur du comité d'hygiène publique? C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Qu'aviez-vous pas? Quelque chose. D'accord, ça veut dire qu'il faut. Ah, je sais, bah, je sais ce que je vais faire. Je viens de trouver la solution, voilà, c'est magnifique. La solution, elle était devant mes yeux, mais je ne l'ai pas trouvée. Ça y est, la solution, je l'ai. Regardez, je vais vous montrer. Comme quoi, vous voyez, la solution était devant mes yeux, mais je ne la voyais pas. Je vais aller par là. Je vais faire ce mouvement. Ouvrir cette magnifique porte. Repartir de cette magnifique porte, pas voir l'ennemi, se dire qu'on est dans la merde, donc repartir de l'autre côté. D'ailleurs, ils ont fait une petite erreur. Bon, ça, c'est une petite erreur que je tenais à dire. L'erreur qu'ils ont fait, c'est peut-être de ne pas faire. Alors, peut-être faire genre le duc est, en fait était la doublure. Et nous, on aurait dû, par exemple, dire. Ouais, par exemple, on aurait pu dire. Tiens, la doublure, tu vas être le duc pour une fois, etc. Enfin, moi je trouve quand même qu'ils aient... Ils ont manqué un peu d'originalité. Ça, c'est mon petit défaut. Il est... Ah, putain, je peux pas l'avoir. C'est vraiment pas sympa. Ça me casse mon mérite. Bon, c'est pas grave, mais bon. Tant pis. Bon, bah, j'ai trouvé une autre stratégie. Bah écoute, je vais essayer de trouver une autre stratégie. Une autre strat, comme on dit. Parce que lui, il est coincé là, en fait. Et je ne peux pas... Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. On va sauvegarder. Et il y a des fléchettes anesthésiantes un peu partout, donc autant s'en servir. Bah, je peux pas grimper si je... En fait, si je grimpe... Je vais me retrouver en fait là et en fait je peux pas descendre. Fais voir.
Regardez, il est là. Est-ce qu'il y a un verre ou quelque chose que je pourrais utiliser? Non, lancer un verre, ça serait quand même mieux. Essayer de récupérer un verre ou quelque chose comme ça. Et après, quand j'aurai récupéré le verre, je vous montrerai ma technique. Parce que je peux pas laisser un homme se faire tapasser comme ça. Ça ne se fait point. Il y a des verres là? Non, les grenades, on va éviter. Hein. Ouais, bah, les grenades, c'est bien. Alors, bah, vous savez quoi, on va faire une autre technique. A priori, on ne me laisse pas faire ce que je veux. Et bah, vous savez quoi? Ça va gueuler. Ça. Et voilà. Ça s'appelle le talent. Vous aviez jamais pensé que je ferais ça. Hein? Vous pensiez pas que je ferais un truc aussi... aussi étrange. Pourquoi allez, c'est moi, je veux juste renverser le duc, hein, bah, moi, je suis très heureux de vous rencontrer, hein, bah écoutez, moi je pense qu'on peut travailler ensemble. Non. Ça se... Alors là, c'était magnifique, je sais pas si vous avez vu, le mec il a fait un vloum. Allez, on continue. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ça prendra du temps. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, je ne peux pas grimper là-haut, sinon je risque d'ameuter tout le quartier. Donc, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi. Il faut toujours que je faille, là. Une solution. Le petit souci, c'est que. Oh, c'est très malin. Inutile de courir. D'accord. C'est original. Je ne pensais pas qu'un homme pouvait faire une roulade arrière et tomber dans les pommes. Mais écoutez. Hein. Voilà. Une autre soirée au Rum Club. C'est une. Par contre, je n'ai plus de fichier d'anesthésiante. C'est un peu chiant là. Bon, alors, il faut que je trouve une solution parce que là, très clairement, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Alors, comment je vais faire? Ce jeune homme est en train de souffrir. Je suis épuisée avec tous ces gars-là, les uns à la suite des autres. Dire que la saison vient à peine de commencer. Comment j'ai pu... La magistrate mais pourra peut-être nous aider. Il faudra lui en parler. C'est une idée épouvantable. Mais il est mort, lui? S'il est pas mort, à la limite, je m'en fous, moi. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je sais pas s'il est mort. Non, je pense pas. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Aidez-moi ! Non, je suis en train de chercher, en fait, s'il est vraiment mort. S'il est pas mort, à la limite, je m'en fous, moi. S'il est vraiment mort et qu'il freine juste des photos pour le plaisir personnel, bah, je vais arrêter la vidéo. Eh ouais, c'est comme ça. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Je pense que j'ai assez fait les comme ça.
Bon, en tout cas, bah, j'espère que l'émission vous a plu et que, bah, en tout cas, bon, ah, désolé, hein, c'est vrai que des fois, voilà, ça. On va pas se mentir, il y a des fois où c'est vraiment des moments assez gênants. Là, c'est ce qui peut arriver. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux et puis de toute façon, on est là pour rigoler, on est là pour se marrer un bon coup. On est là pour prendre du plaisir et vraiment délirer à regarder chaque vidéo, se marrer, etc. etc. Donc c'est vraiment un immense plaisir que voilà je vous fais. C'est sûr que des fois... C'est sûr que des fois, je ne vais pas... Je vais faire des erreurs, hein, c'est normal, on est tous comme ça. Mais il y a un truc que je sais, et ça par contre c'est une certitude, c'est que... Je me suis jamais auto-proclamé grand gamer de dingos de ouf. Mais j'essaie toujours en tout cas de faire de mon mieux. Après, ben, si jamais vous avez des remarques à me faire faire, ben, faites-le. Hein. Bien évidemment, si vous me sortez, t'es un gros nul et que tu franchement tu sers à rien. Merci. Bah merci, hein, écoutez, je vous remercie ma mère pour avoir réussi à faire que je sois un gros nulos. Hein, mais à part ça, on va pas pouvoir avancer grand chose. Non voilà, on va pas se mentir. Toutes les critiques sont constructives, à condition bien évidemment qu'elles puissent m'apporter un vrai plus. Si vous me dites que je suis nul parce que je suis nul, la seule réponse que je vais vous donner c'est d'accord. Et bah écoute, on se revoit demain. Hein, donc voilà, vous voyez, il faut toujours un peu de pédagogie, il faut toujours comprendre pourquoi on fait comme ça. Et quand on a. Et voilà, mais moi je ne suis pas fermé à la critique à condition qu'elle soit constructive. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Moi je considère que voilà, si vous avez une critique à me faire, bah, faites-la. Je n'ai pas de soucis. Hein. Par contre, si vous avez des critiques, mais que c'est genre t'es nul, tu sers à rien, va te faire shampooiner le twistek. D'accord. Bah écoutez les gars, je vous fais un gros bisou. Hein. Oh, il y a des robots. Quelques soldats mécaniques de Jindosh. Bah, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. Et je vous dis, bah, à la prochaine. Franchement, je vais me faire repérer encore, mais bon. Mais vous savez quoi, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Tiens, d'ailleurs, toi, je t'aime pas trop. Allez. Voilà. Ça, t'arrêterais de me casser les pieds. Voilà, il y a des... On va dire que c'est dans la joie et la bonne humeur aujourd'hui. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bon allez, ciao tout le monde. La réputation d'un homme ne tient pas à grand chose.